Elle a le droit d'aimer. Et elle a fait rêver. Je ne peux pas dire les autres, je dis moi. Elle m'a fait penser au mariage. C'est pas possible. Penser au mariage. 2 jours sans sommeil. Alors. Tellement j'étais en train de réfléchir que ouais, quel gars je vais aller choquer le mariage là-bas. Que quoi? Tellement j'étais en train de réfléchir que ouais, quel gars je vais aller choquer le mariage là-bas. Après, je me suis rendu encore compte que, hey, une femme ne s'épouse, une femme ne se dote pas. Je vais respecter les traditions. Je vais attendre le jour qu'un gars vient me doter. Donc, ne dites pas que non, elle ne peut pas aimer. Elle a le droit d'aimer. Elle a aimé cet homme. Vraiment, elle était sincère. L'amour, c'est un risque. Même l'homme avec qui tu vis depuis 20 ans, il te sort un coup, tu dis que... Adam, on peut faire ça. Point d'interrogation. Il y a les hommes, c'est quand ils meurent, c'est où on boit les enfants. Hein. Hey, laisse les gens. Quand il est vivant, il rentre, il sort le matin, il rentre à 19h. Il mange que je lui mange pas dehors. Mais il a double vie, tu ne connais pas. C'est vrai. Je dis que hors réseaux sociaux, laissons d'abord les histoires que vous êtes en train de faire comme si c'est la première femme que un homme. Que ça, si ça ne marche pas, c'est la vie. C'est la vie qui est faite ainsi. Ça nous fait, ça va nous faire mal. Mais mieux, elle a découvert ça étant encore en Afrique. Vous imaginez, un homme peut mentir une femme comme ça. Point d'interrogation. Jusqu'à elle fait ses bagages, elle fait le debout-debout que elle s'en va déjà en bain. Depuis, elle est toujours là. C'est souillant, hein? C'est vrai. Très souillant. Ça va me laisser, Seigneur. Nous tous, on a déjà aimé. On nous a trompés. Quand tu aimes, tu ne sais pas ce qui... En fait, l'amour, c'est un risque. C'est malade. Coco Emile est parti chez un ministre. Elle est sortie ici. Mais dites ce que vous voulez. Qu'elle parte chez le président. C'est le ministre que vous voulez. Ça, c'est ministre est petit. Qu'elle parte chez le président. Mais moi, les gens, ils m'amusent. Ouais. Elle ne pourra pas divorcer en 8 mois. Non, non, non. Coco Emilia est une femme qui est très mature, qui a décidé de mettre aujourd'hui ses pieds, son pied, dans la relation avec M. Francis Ivemba. Aujourd'hui, elle sait qu'elle a des détracteurs et des détracteuses qui rôdent autour d'elle. Tu es sûr? Même vous parlez, je suis dépassé. Elle ne peut pas s'amuser. Et je vous dis, je ne vais pas vous dire. Pardon? Et je vous dis, je ne vais pas vous dire. Bon, ça va. On a compris, non? On ne te veut plus. Coco, envoyez-lui la vidéo. Parce que c'est maintenant que nous, ici au Cameroun, les Camerounaises, c'est maintenant qu'on va savoir si tu es une femme ou pas. Pourquoi? Premier zip-zip, tu pleures, ma chérie. C'est pleurs d'une boule, tu pleures quoi? Comme les enfants disent, tu pleures quoi? On t'a dit qu'on pleure dans le mariage. Point d'interrogation. Tu as laissé les larmes chez ta mère en signant le papier que tu as signé. Tu as laissé les plaintes là-bas. Maintenant, c'est pied ballon. On joue. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Allez dire. Voilà. Parce que si le gars t'a fumé, tu gères. Et à quoi? Tu cries partout. Il y a quoi? Point d'interrogation. Tu crois qu'on n'a pas vu quoi? Tu crois que nous, là, quand on compte 20 ans, on compte les 15, on compte les 20 ans, tu crois qu'on a fait comment? Point d'interrogation. On t'a dit que c'était un long fleuve tranquille? Point d'interrogation. Tu as déjà vu quoi? Tu pleures partout. Tu as vu quoi même? Point d'interrogation. Le match n'a même pas commencé, ma soeur. Ça va me laisser, Seigneur. Ce n'est pas un conte de fées. C'est un chemin truffé d'épines. Il n'y a rien que tu vas voir là. Que les autres n'ont vu. Rien. Et ça adresse à qui? Point d'interrogation. Et quand tu manges bien comme ça, tu accouches. L'enfant est beau. Mange le tapioca, tu accouches. Et tiens, à 8 ans, il vend les lotus. 13 ans, les chaussures en maison. L'argent est bien. Voilà, monsieur. Je la mets. Et quand la femme mange bien comme ça, elle connaît aussi ce qu'il attend après. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.